significative pour moi parce qu'elle m'a sauvé la vie à l'époque où Laurent et moi on s'est séparés. J'étais jeune et comme tout le monde, quand on s'est séparés, c'était genre ma première grande histoire, c'était genre mon premier amour, c'était horrible, horrible. Et d'ailleurs, je te prépare une vidéo sur le sujet, sur les, comment se sortir d'une séparation. Et d'ailleurs, sur le programme Bonheur, il y a une des thérapeutes qui te prépare un podcast hyper complet avec des clés pour s'en sortir lors d'une séparation. Ça arrive bientôt. Bref. Et en fait, cette chanson, je l'écoutais en boucle. Mais quand je dis en boucle, en boucle. Et je pleurais. Et je me souviens de moi en train de pleurer dans ma douche sur cette chanson. Et je sais pas pourquoi cette chanson, elle m'a apporté beaucoup de réconfort. Et elle m'a vraiment sauvée. C'était la chanson de ma séparation. Dis-moi dans les commentaires si tu as des chansons de séparation. Je veux pas me séparer, hein, mais c'est juste par curiosité. Mas você não viu o som que eu fiz antes? Ah, não. Nossa, aí, aí é um problema de surdez, amiga. Porque não. Eu vim e fiz o. Você fez um som que não é humano. Oi. Poderia ser a música lá. Poderia ser lá fora. Você chegou com um gato. Olha, eu fiz o som. Agora, se você tem problema auditivo. O quê? O que você falou? Eu perguntei se hoje vai ter visitas. Eu não preciso do homem pra me depilar. Mas eu não falei de homem? Falei de homem? Visitas de quê? Eu não tenho visitas. Ah, visitas. Você de quê? Que tá pensando em homem. Quem poderá me visitar? Bla 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 bla. Eh, ça marche là, non? J'ai envie de changer un peu de câble. Je suis fascinée. Je te jure, je suis fascinée. Alors toi, tu vois pas très bien parce que la lumière bouge et dans la vie, elle bouge pas autant. Est-ce que tu vois les bulles en bas? Ça me fascine. C'est marrant parce qu'avec cette quarantaine, pour pouvoir survivre, t'es obligée de te réinventer les espaces, te recréer des espaces. Alors je me suis pris ma petite table ici. Avec ma lumière, mon petit thé. Je me crée de nouveaux espaces comme ça. Voilà. J'ai dormi pendant 1 heure, il est tard. Et je voulais faire des trucs que j'ai pas réussi à faire parce que je dormais. Je suis vraiment fatiguée. Je suis fatiguée pendant la quarantaine. Il y a une meuf qui est médecin, qui est trop gentille. Elle m'a mis dans les commentaires qu'en fait c'était à cause du manque de soleil. Faut que je prenne le soleil. Faut que tous les jours j'aille bronzer. Mais en fait, ce qui est con, c'est que je bronze que d'un côté du coup. Parce que je me mets sur la chaise. Faut que je pense à bronzer du dos parce que je vais sortir de la quarantaine et je vais être cramée devant et blanche comme un cul derrière. Alors je suis fascinée par ça aussi. Des trucs comme ça qui sont cons, qui me fascinent. En fait, ça me fascine, c'est pourquoi? Parce que la boule... Elle plonge, tu vois, et elle crève. Enfin, elle crève, elle est immergée, quoi. C'est mort. Mais elle survit. Et elle replonge. Et elle se relève. Elle est jamais, jamais, jamais découragée. Jamais. J'ai besoin de changer d'endroit. J'ai tout...
J'ai mal partout mon corps. Après, j'ai resté des heures assis au même endroit. C'est ouf. Oh non. Aïe. Je voudrais te dire au passage que je suis trop heureuse d'avoir coupé mes cheveux, même si quand je regarde mes vidéos avec mes longs cheveux bouclés, je marronne. Mais ils vont reboucler, en fait, ils leur font leur petit temps. Je pense que c'est parce que j'ai coupé la partie qui boucle, justement, et là, c'est la partie qui boucle pas, mais ça va. Mais je suis trop contente parce qu'en fait, tu sais, je te disais que même quand j'avais coupé la première fois, eh ben, je sentais ici qu'ils étaient abîmés et j'avais toujours des nœuds en bas. Donc, c'est qu'ils étaient abîmés. Et là, je n'ai plus de nœuds. Tu le vois ? Donc je suis vraiment contente. Bref, allez, je te fais des bisous, je te dis à demain. Moi je travaille, il est 1h30 du matin. Et je suis en train de faire plein de vlogs d'avance. De monter plein de vlogs. Comme ça, je peux me concentrer sur d'autres choses cette semaine. Je te fais des bisous. Ciao.